Salut à tous, c'est les Stats 0825 et bienvenue pour la suite des aventures dans LEGO Worlds avec cette fois-ci l'arrivée encore de la suite d'une nouvelle maquette sur le thème des Ninjago. Et oui, Ninjago, alors là, à mon avis, ça va faire plaisir quand même pas mal de gens pour ceux qui aiment bien les parties LEGO sur le thème des Ninjago. Donc là, ils sont partis un peu dans leur lancée. Donc on va voir un peu ce que c'est. On va la découvrir ensemble. Tant que ça charge. Donc voici un peu ce que c'est. Je sais pas trop ce que c'est. Après les Ninjago, je connais pas trop en fait. Hein, donc je sais pas trop ce que c'est. Il y a pas de personnage en plus. Il y a pas de personnage. Ok. Hop, on va valider la maquette. Donc c'est modèle présentation 109, hein, tout simplement. Je sais pas si on a une autre. Non, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Ok, bon c'est tout, on va aller voir ce que ça donne en live. En live plutôt. En live, on vit. Ça veut rien dire. Donc c'est plutôt, alors encore une nouvelle maquette, même si je pense que quand même, il devrait nous ressortir un DLC, parce que là je pense que LEGO Worlds commence vraiment à mourir à petit feu quand même, mine de rien. J'espère quand même qu'ils s'en occuperont au moins l'année prochaine, ce serait cool. Honnêtement, ce serait cool, parce que bon, les maquettes, ça va. Mais voilà, avancer dans l'aventure, ce serait un petit peu mieux quand même. Donc c'est tout, on va voir un peu ce que ça donne. Hop, on va... wow, je suis pas lycée, j'allais... On va la mettre direct, hein. Là je suis dans le mode aventure, mais... On va voir un peu ce que ça donne. Ah, le voilà. Une fois posé, ce que ça donne. Allez. C'est quand tu veux. Ah, il est long, Dion. Ah, voilà. Hop. On va voir ce que ça donne. Ok, alors, cela dit, les constructions sont assez énormes, hein, mine de rien. Elles sont assez, assez grandes. Hein. Hop. Ils ont fait, il y a toujours des parties d'eau en fait. Hop. Bon, je sais pas s'il y a des trucs à prendre là-dedans. Je fais un peu tout le tour en vitesse. Hop, il y a un petit pont, un petit coup d'eau. Oh, on a... Ah non, je vais dire un nouveau véhicule. Oh, cool. Le tuk-tuk de la police. On dort un peu. Ah zut, bon, ça va pas durer longtemps en fait. Ok. Bon, on a un petit tuk-tuk de la police. Ok. Ah, on a des bancs. De rien, il y a du rajout niveau matos, donc ça c'est plutôt intéressant. Ça permet de ravoir toujours d'autres ravitaillements. Hop, un distributeur d'eau, fontaine d'eau. On va se mettre en vue d'FPS, c'est quand même mieux. Hop. Oh les chiottes des gosses, non. Oh la salle de bain plutôt. Les chiottes. Hop. Donc là, voilà. Tout ce qu'il y a de plus basique. On va monter. Il n'y a rien. Ah oui, c'est truc de sport en fait. Okay. Ça, on les avait déjà. On va monter encore en haut. Hop. Celle du muscle. Je sais pas si on les avait déjà par rapport à l'autre, parce qu'on avait déjà une salle. Là. Je sais plus. Ça, je m'en rappelle plus trop.
donc là, on a déjà ça. C'est plutôt pas mal. On va aller plutôt... Donc là, on a monté dans cette partie-là. Il y a toujours une partie de route. Vous voyez, on peut la continuer, en fait. Si on fait une construction, on la continue, hop, et on peut faire quelque chose de plutôt pas mal. On peut rendre ça plutôt intéressant, on va dire. Là, il n'y a rien. Ah si, hop. Ça, je l'avais pas. Hop. Ah bah tiens, ça, je le cherchais partout, en plus. J'ai galéré à le retrouver, celui-là. Ok, c'est bon. Là, on descend. Hey, coucou. Hop, on rentre dedans. Donc là, petit magasin de jouets ou de mécanique ou je sais pas quoi, de vélo, je crois. Ça, on l'avait déjà, hein, normalement. Hop. Donc là. Corbeille à pain. Là, y a rien. On monte. Ah. Je sais pas, à travers un truc, il y avait un... Je sais pas, c'était quoi. Qu'est-ce qu'il me fait? Une blague? Ah d'accord. Déjà là, ils ont un peu merdé sur le truc. Le bonhomme passe pas. À moins que c'est moi qui s'est gouré un peu. On dort? Ouais, il passe pas. Le bonhomme ne passe pas. Moi, je ferme. On va faire une bonne temps. Il passe pas, le bonhomme. On va creuser un peu. Voilà. Ah, bah il s'est retrouvé de l'autre côté. D'accord. Vous voyez, déjà là, hein, c'est un peu merdé, mais bon. Hop. Ah, ça, c'est joli, ça. Grosse lanterne, façon... façon Asia, c'est plutôt pas mal. Attends. Ça, je l'avais pas sûr. Ah, un truc de bowling. C'est trop bien. Une salle de bowling. Ouais, ça, c'est pas mal, ça, quand même. Trop classe. Ah, la partie là, elle est bien, j'aime bien. Hop. Bon, ben, je crois que j'ai tout fait, il me semble. Donc là, j'étais là tout à l'heure. Donc voilà, c'était notre nouvelle maquette avec quand même une voiture en plus, le tuk-tuk de la police. Ce qui est vraiment... ce qui est pas dégueu, hein. C'est plutôt intéressant. Donc voilà pour cette présentation et pour vous avertir un peu, hein, pour ceux qui seraient pas... Comme je vous rappelle, hein, pour ceux qui sont, se mettent pas toujours au courant s'il y a des nouvelles maquettes qui arrivent ou pas, sachez qu'il y a une nouvelle maquette qui est arrivée aujourd'hui. Donc voilà, toujours sur le thème des Ninjago. Donc pour moi, c'est fini pour cette présentation. Et puis je vous dis, quant à moi, à très vite pour de prochaines aventures sur ma chaîne YouTube. Allez les amis, au revoir, hein.